Je ne pardonnerai jamais à la gauche d'avoir abandonné le thème de la laïcité, d'avoir abandonné le thème de la laïcité pour avoir certaines mairies dont sont à la tête certains communistes qui justement jouent justement sur ce communautarisme pour garder des voix, d'où l'argent public sert à communer, à financer certaines associations communautaires, etc. Et c'est là, mais je tiens quand même à alerter vraiment de façon fragrante. Alors, que la France est devenue un archipel et réellement, et que ce genre de liste ne fait que le renforcer. Mais Joël Dagosserie. Maxime, quand tu dis ça, parce que la France, elle a toujours été un archipel. Pardon, excuse-moi. Moi, j'ai vécu dans des quartiers du 93. Ça a toujours. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de lutte communautaire qu'il n'y avait pas de communautarisme. Mais je ne dis pas ça. Donc ça a toujours été. On a toujours eu des quartiers. En tout cas, je suis en 78, donc je parle de mon époque. On a toujours eu des quartiers qui étaient noirs ou arabes, ou des villes qui n'étaient quasiment que blanches. C'est pas aujourd'hui ça. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, tu vas interdire une liste communautaire, mais tu travailles dans le vent. Je t'ai parlé de la carte scolaire. Tu t'agis pas sur le fait que des personnes puissent quitter leur quartier quand ils en ont envie. Non. Ce que tu fais, c'est que tu les bloques dans leur quartier. Il faut qu'ils aillent dans leur quartier avec les mêmes personnes qu'ils ont toujours commis. T'agis pas sur ça. T'agis pas sur le fait que des maires refusent qu'ils soient à 3% de logements sociaux pendant que l'autre, la commune d'à côté, est à 60% de logements sociaux. Mais ça va avec. Si tu veux faire un vrai travail et si tu veux déconstruire ce vers quoi nous allons, si tu veux réellement le déconstruire sur la durée, tu dois agir sur ces causes-là et pas sur ces petites causes. Attendez, parce que Sébastien nous écoute. Sébastien, allez-y. À la racine, les gouvernements ont fait sorte de s'aveugler. Je te rejoins à 1000%. Ils doivent se saisir de ça, réviser leur politique au lieu de taper sur les gens qui disent « Attends, on va faire une petite liste ». Oui, t'as raison aussi.